Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king. Ça dit, il y a des matins comme ça. Tu veux me maler au travail. Chérie, comment tu m'abandonnes sur le lit comme ça? Il était alors chez Chaud. Tu es même fâché contre moi, j'étais fait quoi? Il y a quoi comme souci? Je ne suis pas fâché, chérie. C'est quoi le souci alors? Rien. Parce que quand un homme se lève le matin, il veut sentir quand même alors comment sa femme est à côté. Je me lève, toi tu n'es plus là. C'est quoi? Je ne fais pas plus l'effet que je dois faire. Oh. Bon, moi je suis en train de partir. Tu sais, aujourd'hui là, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais. Adieu, tu vas te marcher avec. Tu penses que Jimmy c'est quoi? Les vrais hommes. Ah, c'est 50 000. Quand tu viens, tu me donnes un pauvre petit 10 000. Tu te dis que tu as trop fait. Ce n'est pas ça, tu sais. C'est parce que la nuit, tu ne me prends pas bien. Pour que quand je sors le matin, on vais fournir encore plus d'efforts. Tu dis prends-le bien quoi? Prends-le bien quoi? Quand toi-même, tu fais d'abord trop quoi? Prends d'abord comme ça. Bats-toi. C'est alors parce que je t'aime, ça me dépasse que j'assume comme ça. Prochainement, je ne vais pas prendre. J'ai dit prochainement, je ne vais pas prendre. Là, maintenant, je prends pour te faire plaisir. Donc, prochainement aussi, ne quitte pas le lit avant 5 heures du matin. Fais que je me réveille à côté de toi, là. Quand il sort, il sait que bon, je n'ai pas fait les vrais efforts. Hein? Je suis sur l'enfant de quelqu'un. Hein? Ça fait 6 mois, on est couché sur le même lit. Dès qu'elle veut toucher, tu tapes la main. Dès qu'elle veut frôler, tu grondes. Dès que... Je ne veux pas que les voisins... Mais parce que tu ne travailles pas bien, il faut aussi comprendre, non? C'est quoi? Pour savoir que je ne travaille pas bien, donne-moi l'opportunité de travailler. Bon, en tout cas, ça va. Tu passes avec une bonne journée. Mais tu es jolie ce matin. Merci, chérie. Je dis, mon chéri, tu travailles même quoi? Ah, moi, je suis un débrouillard. Quand ils sont là, tu vois, on sait que ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. C'est que la vie n'est pas facile. Donc, si c'est le pouce que il part comme ça, je fais. Si c'est qu'on décide qu'il faut que quelqu'un balaye quelque part, je balaye le chantier et tout. Mais c'est les efforts que je fais seulement pour sortir de l'argent que je donne chaque matin. Là. Et tu dis. C'est ça ton travail. Oui. Bon. En tout cas, bonne journée. Bonne journée, chérie. Je passe. Tu travailles bien. Non, non, ça va aller. C'est que les hommes comme nous, là, nous sont comme vous. Même pas quand tu me rends compte ce matin. Maintenant, s'il faut que tu prennes une bille, il faut que tu attends d'accord. Parce que tu dois aller prendre l'argent sur ma go là-bas. Je dis, tu as un go qui te rationne déjà, frère. Yes, j'ai ma go là que quand son boy il sort, non, il laisse mal au dos, mais pas le choix. Et tu as pas peur de son boy? Attends, son boy c'est qui? Quand lui sort le matin, c'est minuit, 23h que lui bat. Donc, merde, je dois manger. Il sait pas que quand il travaille, non, il y a les gens aussi qui veulent que Bobo devant, derrière lui. Attends, il demande que tu tues seulement la gola ce soir ou non, père. Erico, nous on a développé le spirit, tu comprends. Et tu ça chez lui, dans sa campe. Tu veux que j'aille payer l'hôtel, et pourtant il y a l'hôtel, genre. Et tu as peur souvent qu'un jour comme ça, il peut le trouver chez lui comme ça avec sa gola. Je t'ai dit que quand le gars là sort le matin, non, si ce n'est pas minuit, il ne peut pas poser pied chez lui. S'en fout du travail. Hey man, nous vous allons recevoir le coup. T'as pas pitié de ta vie, man. Il n'y a pas question de vie dedans. Ah bon, c'est d'abord mon Yama. Tu tues une femme mariée chez elle. Gars, tu me permets à l'hôtel, il faut que je vous passe. Maintenant, elle est absolument partie. Donc, il faut que j'aille maintenant. Elle est à la même attente. Il faut que God frappe. Il garde ration de 10 000 et 25 000. Mon frère. Pourquoi l'argent? Quand il y a quelqu'un qui peut taper derrière, non? Il mange. Moi, ta vie ne te plaît plus. 90 jours pour le voleur, 100 jours pour le patron. Vas-y. Donc laisse ça, moi et pas. Vas-y. Ouais, attends-moi là, je prends l'argent là, je viens. Laisse-moi tuer mon modèle non. Il, tu es venu me voir ici très tôt le matin que tu as soif non. Laisse-moi aller travailler l'argent pour venir te donner de quoi boire. Mais rien là, je souffre. C'est pas, il me dit que oh, son gars là ne fait rien, machin truc. C'est l'argent là qu'elle me paie, c'est grâce à mes reins que tu as boire la bière. C'est de cette façon là que tu traverses cet argent là. C'est grâce à ça que tu as boire ta bière ce matin. Laisse-moi partir. Okay, attends-moi là, donne-moi 3 heures de temps parce que quand moi je pars non, ce n'est pas 2 minutes. Hein. Bonne chance. Ouais, merci, bro. D'accord. Tout à l'heure. Ouais, je cap. Les gens n'ont pas pitié de leur vie ici. Ils partent chez un boy, mais tuer sa femme chez elle-même. Ben, hey.
quand le cœur est si dehors. Depuis là, bébé, toi aussi. Ok. Ah, tu m'as tellement manqué, maman. C'est comment? Depuis que je t'attends là. C'est comment? C'est comment? Toi, tu me donnes la place chez moi. Depuis que je t'ai demandé 25 000, toi là, tu me tournes comme ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es un petit? Toi aussi, ne te fâche pas pour ça. Ah, toi, car. Qu'est-ce que tu dois me fâcher pourquoi? Il ne va pas me fâcher comment? Si tu as les 25 000 là, tu me donnes alors. Ok, tu m'as demandé 25 000, je peux d'abord garder 10 000. Ah, toi aussi. Dans 25 000, tu me gardes 10 000. Ouais, chérie, toi tu aussi. Tu vois comme je viens là. Il y a plus 16 poignets pour le lavage de dos et de reins. Oui, je sais. Pousse je tout vais... ça pour toi, tu sais combien ça a coûté. Pas de problème, je vais te donner le reste, non? Toi aussi. Tu me donnes 10 000. Viens d'abord là. En passant, le mouvement est parti. Ouais, j'aime quand il te coule presque comme ça, là, il sent que ça va vibrer. Ça va vibrer parce que la dernière fois, hein, la dernière fois, là, tu m'as laissé le jac qui était tendu. Non, c'est pour ça que j'ai pris 16 poids avant d'arriver ici. J'ai pris 16 poids. Ah, le lavage de doigts de l'air. Mais mon frère, je veux mon bon boutman qui n'est rien. Ok. C'est un boutman, il travaille pour nous. Chérie, oui. Tu as mis les 10 000 là. Oui. Allons, alors tu m'as pris un peu bien. Je vais seulement faire ça comme ça par chez toi parce que franchement, les 10 000 là, ça ne suffit pas. L'argent que j'ai à votre dépensé. Ah, c'est un peu. Bonsoir. Tu bonsoir. J'ai dit, c'est quoi? Et tu as dit de devoir attendre ton frère quand je suis avec les gens ailleurs, non? Alors, pas comme ça, tu fais la tarte là, tu vas là-bas. Et tu fais là-bas. Pas comme ça là, tu fais la tarte là-bas. Ah, c'est qui ça? Va l'attendre là-bas. Et tu es ton frère. Et tu vas l'attendre en route. Mais tu veux t'asseoir non? C'est qui même ça? Elle est partie. Tu veux qui ça? J'ai. Ouais, laisse tranquille. Il y a quoi? Je crois que j'arrive, je ne veux pas rester tranquille. Ah, laisse tranquille. C'est qui là? C'est même qui? Laisse tranquille. C'est pas ton problème. Allons, c'est moi, tu m'as pris. Ouais, mon frère. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Normalement. Tu prends la tête au mur, chérie. Mais... Tu t'assises, tu me poins comme ça. Comme ça. Là, tu vas où dans le fond, je me suis apprêtée. Chérie, pardon, je t'attendais depuis. Ah, ça. Tu m'as fait. Tu es comme orange. Est-ce que tu ignores? Tu ignores, ma femme. Laisse-moi comme ça, là. Bon, tu sais que le programme que la mère disait au village là, la semaine prochaine, on va partir. Comme ça, on va voir ce qui aura lieu de faire là-bas. Tu comprends un peu? Ah, ok, d'accord. Chérie, bonsoir. Bonsoir. Je te présente mon frère. Tu es à la maison d'habitude là-bas. Ah, c'est Mambo ici? Oui, c'est lui là-bas. Oh, Mambo! Oui, Mambo! Comment? Ça va, Mambo? Mais depuis que j'entends parler de toi, je ne t'ai jamais vu, Mambo. C'est mon frère là, ici. Là. Je n'ai jamais là. Même, comme tu vois. Ah, vous êtes un peu même. La magie, à ce moment-là. Ça, c'est la magie. Donc, merci beaucoup, mon beau. Merde. Tout le monde. Oui, chérie, c'est comment alors? Quand ton frère est là, tu t'habilles alors bien haut. Le genre bien avant qu'il fasse soir que tu t'habilles quand il est là. Éric, mon beau. Ouais, mon beau. Comment va le village? Car le village est là, mon beau, il te dit, on a les problèmes au village, car c'est dit. Comme tu vois. Chérie, assois-toi à côté de ton frère. Hein. Mais. Tu vois, la ressemblance, on se ressemble. N'est-ce pas? Oui. Même moi, oui, vous ressemble. Ok, comment tu peux nous ressembler normalement beau? Tu es mon autre beau. C'est bon, ça dit quoi alors? Ce qui t'envoie ici, ta mère ou ton père ou ta mère? Ma mère, tu sais qu'on a les premiers au village, donc ma mère m'a envoyé pour venir lui donner les nouilles du village, quoi. Mm-hmm. Tout ça que je suis là, après que le matin, ça va. Mambo! Mambo! Mais... Il t'a même demandé tout à l'heure quand tu es parti là. C'est une chance, hein? N'est-ce pas? Parce que souvent quand il est ici, ta femme me dit que oh, quand tu sors, tu rentres que oh, machin, que monter des enjeux, dis-moi que même mon bol à lui, carrément dans la nuit, mon frère. Oui, c'est que tu vois un peu, non, quand tu attires ton bandit, ça fait bizarre. C'est comme si tu vas l'enterrer, comme si tu vas le laisser. Tu réfléchis, tu vis seulement à sa place. C'est quelqu'un? Vraiment. Mambo, tu as capé ton bandit. Assois-toi, Mambo. Si tu te lèves encore là, mon bol s'est gâté. Il te dit, tiens, Mambo, donc ne te lève pas n'importe comment. Ok, ça. Mon beau. Mon beau. N'est-ce pas? Laisse la joie, non? Chérie, je
déjà que j'ai souvent voulu te voir dans ton petit pain ici. Viens. Ouais, chérie, mais ça va, non? Tu m'as trouvé comme ça, il y a quoi? Maman. Maman. Maman, là, on va pas chercher, c'est le bonbon. Maman, maman, je suis là, bonbon dans ma tête. Tu dis que c'est ton frère, même. Oui. Ah, bon. Votre mère s'appelle comment? Votre mère. Oui. Maman s'appelle. Voilà, oui. Ah, maman, ben, et votre père, c'est même moi. Votre père, tu sais que souvent les pères, là, quand ils donnent leur nom aux gens, ils donnent ça bizarrement. Donne aussi le nom de papa, non? Et toi aussi. Le nom de papa. C'est Georges. C'est Georges. Georges. C'est ça. Un truc comme ça, Sylvain, dans les choses comme ça. Bon, mon chéri, tu sais qu'il n'a pas trop grandi avec nous. Donc, il était un peu. Oui. Et pourquoi vous vous embrassez alors? Ok, quand j'arrive d'embrasser ma soeur, non, on se sert. Nous on vit comme les blancs. Comment les blancs comme souvent? Mambo, c'est que en fait la vérité est celle-ci. Ça fait environ 6 mois. Oui, Mambo. Que ma propre femme ne m'a pas embrassé, moi son mari alors. C'est que pour vous, non, c'est différent de pour nous. Pour nous, c'est la famille. Et pour vous, c'est le couple. Bon, chérie, tu sais que tu m'as posé une question. Tu m'as posé la question de monter le savoir. Qu'est-ce que c'est dans la vie, non? Bon, je vais te dire la vérité. Dans la vie, je fais tout ce qu'il faut, je vois. Mais dans ce que je suis en train de faire, c'est que tu veux que mon beau, elle suit sa soeur. Et là où c'est là, c'est que vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Hein? Si la réponse n'est pas concrète, hein? C'est que je vais t'enterrer ici, mon petit gars qui parle. Tu me réponds. Tu me réponds. Oh. Ouais, chérie. Non, c'est là. Tu appelles qui, chérie? Hein? Tu appelles qui, chérie? Mets-toi. Tu sors. C'est mon frère. C'est mon frère. Mais c'est quel modèle ça que chaque jour tu m'appelles ici là, maintenant on vient me sortir la matière. C'est toute la belle famille là comme ça. C'est qui? Ah! Elle est qui pour toi? Elle est qui pour toi? Ma soeur! Ta soeur? Oui. Tu vas dire la vérité. Couche-toi! Elle est qui pour toi? Ma soeur! La vérité va sortir. Elle est. Quand c'est ma soeur? Elle est qui pour toi? Elle est qui pour toi? Elle est qui pour toi? Quand c'est ma soeur? Tu vas dire la vérité. Quand c'est ma soeur? C'est qui pour toi? Ne t'aimons pas comme ça, chérie! Donc je te vois de la pratique ton frère. Hein? Hein? Elle veut te tuer, tu sais. Non, tu viens chez moi, tu fais le. Grand, c'est ma copine. C'est ta copine. Oui, Grand, c'est ma copine. Pardon. Pourquoi tu voulais d'abord? Chérie, pardon. Mets-toi chérie, pardon. Chérie, quoi? Pardon. Elle me touche, elle est sorcellerie. Regarde. Chérie, pardon. Non, on a dit que pardon. Tu as dit que pardon. La sorcellerie, elle est piégée. Tu as dit que pardon, ton frère, sans c'est égal. Tu me touches, quoi? Tu me touches. Tu me touches. Tu pensais que. Pardon, pardon. La sorcellerie, elle est piégée. Oh! Pardon, pardon. Je t'aime. Elle a dit qu'elle t'aime, non? Elle m'a dit qu'elle t'aime. Tu sais, elle me touche. C'est toi qu'elle t'aime, non? Donc, tu sais, elle t'aime, non? Regarde, tu sais, j'ai pas envie de te faire du mal. Chérie, fais l'effort d'entrer là-bas. Écoute, d'abord, fais l'effort d'entrer ici. Tout ce qui t'appartient, pardon, tu viens sortir. Chérie, s'il te plaît. Ouais. Chérie, pardon, c'est donc comme ça que les gens meurent souvent pour rien. Je te. Moi, voilà, je te libère. Va porter tes choses, tu sors. Je ne t'ai pas rien fait. Tu refuses. Oh, si tu vas porter, non, il la matière. Ah, comment la sort de série de tête? Toi, mon petit, ça fait combien de temps que tu. Oh! Ça, la sorcellerie, ça se mange. Je m'en trompe pas, chérie. Je pense. Oui, je te trompe, maintenant c'est toi aussi. Oh! Non, je n'ai pas entendu. Pardon, non, mais je le fais. Tiens, pardon, aussi, non. Écoute-toi, ton cas, non? C'est le Seigneur, c'est moi qui protège la personne comme tu es là. C'est ça que tu non? C'est ainsi que le spectacle avec qui? Oh! Viens les gars, je ne veux plus! Pardon, non. Pardon. Non, vous savez, là, tu pardonnes la personne sinon. Ça veut dire que tu n'aimes pas ta vie. Après ça, je veux boire le poison. Tu rachètes la vie. Oh! Pardon! Oh, ma petite. Tu es venu chez moi combien de fois? Tu es venu chez moi combien de fois? Bon grand, je vais te dire la vérité. Je suis venu tous les jours que tu sortais. Quand tu sors là, moi je viens. Petit, là où c'est là. Je vais te voir. Je t'aime, je t'aime. Tu me suis non? Elle s'est sur le sol. Qu'est-ce que tu fais ici? Viens. Je t'aime. Tu peux sortir. Je t'aime. Oh! Ça va, tu vas toucher le sol.
Hein? Viens-moi les larmes de coco, tu ne vas pas marcher ici. Hein? Je t'en jure, je t'en jure. Tant que la fondée de la magie existe et que la société est génie, parle de cela. Je t'en jure. Viens, c'est comme ça, frère. Et mon pauvre, c'est quoi? Mon petit. Tu connais ce que tu fais? Non, non. C'est qu'elle n'est pas de porter comme ça. Parce que là où tu es là, non. J'ai le seul plus que toi. Dégage. Mon petit, dégage. D'accord, je dis ça. Dégage. Non, non, non. Quand tu te plais, je t'aime. Alors tu sais, je n'ai pas que ça. Fais pas tes choses, tu parles. Alors. Mon Dieu. Donc tu connais comment on s'habille en bagne. Hein? Oui, je t'aime, je te dis, mon papa, c'était la première fois. Tu vois, toi et mon papa, comme tu vas ça. Je t'aime, je te plais. La vérité est que si tu ne parles pas, moi, je vais partir. Non, je ne veux pas, papa, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. La sorcellerie dans ce soir, tiens, c'est vraiment l'autre. Oh, que je pleure, toi, tu pleures, tu mets l'émotion, tu mets le charisme. Maman, oh, 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 oh. On va faire simple. Tu vois, non? On est en location ici. Hein? Moi, j'ai ma carte d'identité chez moi. Comme tu refuses de partir, tu sais quoi? Hein? À partir d'aujourd'hui, non? Oh, c'est quoi, mon frère? C'est quoi? Je te plains, ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Donc, tu sais qu'elle veut partir, hein? Mais maman, on va se non, maman, maman, moi, je veux partir, je veux partir. Oui, oui, pas. Une sorcière comme ça. Ma sœur est même où? C'est comme ça que tu as une femme à la maison, elle te fout, elle ne sait rien. Elle est folle, tout portée, tu sors. Il faut d'abord boire une bière pour elle. Vous voulez pas écouter les sorcelleries, les sorcelleries. C'est quand on va gober, tu viens encore t'asseoir, mon frère. Un panier. Tu vois que tu es encore assis là. Qui me cherche là-bas, y'a pas encore. J'ai eu le riz là, même pas mal, mon frère. C'est à la maison qu'on va dire que ça. On doit pas dire qu'on est dans sa sorte de la quand on a sorti. Il a tout à l'heure. Il a 650, il a payé une bière de la bière de Eric qui l'a pris. On va vous donner 3 bières à la fin. 3 bières à la bière qui doit la gagner. Dans la. Oui. Après 2500. Yo,
bro, tu vas faire quoi? Elle sera sublime. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi? Lui, c'est Marco, c'est lui qu'on tape partout. On m'appelle le retour. Eric le retour. Si je tourne ta go, tu peux faire quoi? Assez, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Assez, tu vas faire quoi? Voilà tout la team solo compagnie en place avec le grand Eric le tour. Le King! Si je dis ton voisin, tu vas faire quoi? Bon, Asse, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Asse, tu vas faire quoi? On m'appelle le retour, Eric le retour. Si j'arrache ton argent, tu vas faire quoi? Marco, tu viens ici s'il vous plaît, Roger. Tu vas faire quoi? Asse, tu vas faire quoi? D'accord. On se dit. Maintenant. J'ai une idée pour le deuxième, vous avez un peu vu comment on fait. J'ai une idée pour le deuxième. Roger. Vas-y. Je veux comprendre. Vas-y. Il dit que j'avais le prochain tournage de... Eric le retour, l'enfant. Eric le retour, le king.